Mike Pompeo est arrivé plus tôt dans la journée. Il s'est assis avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, en mars dernier. L'accent a été mis sur le Venezuela alors que les tensions s'embrasent entre la Russie et les États-Unis. Caracas a déclaré être prêt à tous les scénarios après que Pompeo a déclaré qu'une action militaire américaine était possible au Venezuela. Nous sommes préparés à tous les scénarios. Le premier est celui de la diplomatie, du dialogue et de la paix. Nous tendons la main à tous ceux dans le monde prêts à discuter, mais s'ils optent pour une option militaire, nous avons une force armée, un peuple, une carte nationale qui non seulement résistera et combattra, mais aussi pourra vaincre n'importe quelle armée, qu'importe sa puissance. J'espère cependant que ce scénario ne se produira jamais.